Records, 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 when it hit, you feel no pain. White folks that controls your brain. I know better than that. That's game, man. We ready for that. Two soldiers headed the pack. Matter of fact, who got it? Wow. And where my army at? Quand wow. Pascal il fait un film comme ça, il doit y avoir un ressenti derrière. Il doit y avoir des gens derrière qui se postent derrière les paroles, derrière les images. Et nous, on est derrière ça. Et quand on est derrière le mic, c'est ce qu'on exprime. Ce qui est beau dans le travail de Pascal, c'est un travail aussi sur la transmission. On est des mecs quasiment quadragénaires. La relève, elle est là. Mais qu'est-ce qu'on va leur laisser comme valeur? Parce que la France de demain, c'est eux, c'est les petits des quartiers dont on parle. Qu'est-ce qu'on va leur laisser comme valeur? Des valeurs dont on parlait tout à l'heure, basées sur l'argent, la misogynie, la phallocratie, l'apparence, l'égoïsme, l'égocentrisme. Ou alors des vertus, on va dire, de partage, de solidarité, de générosité, d'entraide. Voilà, c'est ce qu'on la a voulu base faire. Du hip-hop. Pour moi, la base du hip-hop. Inaya, elle a 17 ans, elle déchire. Ouais, très forte. Hein. Rafalushi, ouais, elle a 24. Katel à 22, Wabi, Oji Krams, ils ont à peine la vingtaine. Voilà. Et nous, on est avec eux et ils enregistrent ce qui se dit. Il y a une transmission qui s'opère et on filme ça dans le film. Il y a une rencontre entre la old school et la new school. Ouais. Et voilà, nous, on n'est pas des comment dire, nostalgiques. Ouais, avant c'était mieux le rap et tout. On voit qu'il y a des gens qui prennent la relève, mais sauf qu'ils ne sont pas médiatisés. C'est pour ça qu'on a fait ce film avec des inconnus, avec des jeunes. Cette culture-là a généré beaucoup Star. De talent, beaucoup de succès aussi, beaucoup de réussite, beaucoup de ventes, etc. Pourquoi elle n'est jamais représentée dans le service public? Pourquoi il n'y a pas d'émission sur France O? Sur France O. Oui, regarde, France O, mais voilà. c'est Mais le hip-hop en France n'a jamais été respecté en même temps. Voilà. Voilà. Et il n'y a pas d'image. On parlait de Jean-Pierre Thorne qui a fait des super documentaires. Regarde, le Peura, c'est ce qui vend. C'est la musique qui vend presque le plus en France. Bien sûr. Voilà. Toute musique confondue. Aucune émission spé, rien du tout. Bah attends, mais c'est des 6 rats ou quoi? Que le câble. Eh, laissez-nous une chance. Quand tu vois c'est juste que des mecs comme justement Dynasty ou même Sydney, qu'est-ce qu'il y a sur eux? Les docs, ouais, en doc, c'est la misère. C'est un truc de malade. Tu sais tous les beatmakers français qu'on a, on n'en parle même pas. Un mec comme Eddy est mort. Voilà. Tu vois, Lionel D est mort dans la différence totale. Voilà. Rocket a expliqué comment il a commencé son docu. Il est venu ici, Rocket. Il t'avait expliqué. On le connaît, voilà. On le connaît. Voilà, il voit Dynast, il était devant un magasin de disques. Il a déclindé. Il était devant, je sais plus quel magasin de disques qui a dû fermer depuis. Il voit Dynasty, tout le monde passait devant lui sans le calculer. Ah ouais. Vas-y, attends, ça je l'ai vu, ça je l'ai vu ça. Bah voilà, j'ai vu plusieurs fois. Il y a eu le déclic. Ah bah. Là vous voyez pas les auditeurs, Koulibaï qui est en face de moi, qui est le beatmaker du film, filme avec un Canon 5D. Et j'ai fait le film avec cet appareil photo. Juste un. Non, on en avait deux. Deux. Et on a tourné en mode associatif dans les rues de Saint-Denis. Voilà, l'association de Saint-Denis. On a recruté autour de nous des rappeurs. Et on a fait un film hip-hop avec que des rappeurs qui n'avaient jamais fait de cinéma. Avec une équipe technique de jeunes techniciens originaires de la banlieue qui n'avaient jamais fait de long métrage. Moi, c'est mon premier long métrage. Et voilà, c'est un film qui s'appelle Brooklyn, et le rôle principal est tenu par une jeune rappeuse suisse qui s'appelle Catégorique, qui est championne du monde End of the Week freestyle à New York en 2012. Ah, championne du monde, quoi. Elle est carrément championne du monde, c'est une déchireuse. Honnêtement, je savais même pas qu'il y avait une nana qui avait été championne du monde à New York. Bah, maintenant tu sais. C'est la seule. C'est la seule. Ah, oui, c'est la seule. Et on est parti un été comme ça, en plein ramadan, et on a fait tout le film comme ça, à l'arrache. À l'énergie. Ah ouais, d'accord. Avec zéro thune et tout le monde bénévole. Et Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Faut que t'écoutes, faut que t'ailles kiss banquer sur internet, y'a pas dans le doute. Donc on a fait ça au mois d'août, on en avait rien à foutre. On n'a pas pris de bourde, on a des rimes dans nos gourdes. Il faut que t'écoutes, faut que ça t'y sorte. T'inquiète, on a besoin de renfort. Donc il faut que t'ailles faire un tour sur internet. Si t'es un internaute, et t'inquiète pas, il faut que tu montes comme un astronaute. On veut pas finir avec les menottes, les clichés. On rappe, on est toujours postiché, on est des passionnés. Les indépendants, c'est de l'impro, ça sort du cerveau et c'est bien viscère. J'espère que tu le sens, 93-200 Radio Campus. On balance ça et c'est la nouvelle astuce. Faut que t'ailles faire un tour pour écouter les sons de
Koulibaï. Ouais. Et t'inquiète pas, je te dirai Tao Pai Pai comme Dragon Ball Z. Les rimes viennent du Black, Big Up Vic Mac. Et t'inquiète pas, on balance ça, Mac Newman. On balance ça pour les man de Paname. On n'est plus des mômes, les rimes on manie. On balance ça pour toute l'équipe, le collectif, tous ceux qui ont filmé qui étaient présents. Dorénavant, faut que t'écoutes, c'est indépendant. T'inquiète pas, on reste élégant, on prend le temps. On est un peu passé partout, à tous les festivals, plus de 40 dates. Faut que t'écoutes, t'inquiète, il faut que tu t'adaptes comme un adaptateur dans une prise secteur. Surtout n'aie pas peur, on balance, augmente la frayeur. C'est que de l'impro, c'est pas du texte. Faut que tu kiss kiss bang pour que le film sorte. Faut que tu kiss kiss bang pour que le film sorte. Faut que tu kiss kiss bang pour que le film sorte. Radio Campus, t'inquiète pas, tu sais comment ça se passe. Faut que tu kiss kiss bang pour que le film sorte. Faut que tu kiss kiss bang pour que télétransport. Faut que tu kiss kiss bang sur le son qui sort. T'inquiète pas, pas besoin de renfort, place les rapports. Faut que le film ait un passeport, faut qu'il ait une carte d'identité. Parce que pour l'instant, il est sans papa. Donc faut pas que ça te pompe l'air. Ils veulent pas qu'on rentre dedans, je comprends pas. Alors que ça vient de la banlieue. Un, deux, big up Pascal Tesso, toutes les équipes. Les gens qui étaient sur le film, ça fait zirpler. J'ai bien aimé ce que vous avez dit et comment tu vois les trucs. C'est une très bonne émission, il y a un vrai message derrière. Et je pense que quand t'es un, je vais pas dire un activiste, parce que des fois le terme activiste ça peut être un peu mal interprété. Mais quand t'es un vrai passionné, quand tu penses vraiment à la culture, je pense que c'est le film qu'il faut voir. C'est ce que j'ai à dire. Back the beats, it don't reflect on how many records get sold on sex, drugs, and rock and roll.